Regardez, pour la rentrée, ça peut être sympa, ça. Ça reste pas trop non plus chaud, mais c'est entre les deux. Donc là, ce que je vais faire, par contre, c'est que je vais prendre du 18 mois pour être tranquille. Et je vais prendre celui-ci aussi. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que c'est sympa. Ça fait... c'est pas encore vraiment trop les pulls chauds. Mais en même temps, c'est quand même... c'est quand même pas mal. 9 mois, juste, il faudrait qu'on trouve du 18 mois. Sinon, je vais prendre 12 mois. 24 mois, 18 mois. Ouais! Franchement, ça... Vaut mieux prendre plus grand. Et vous avez des petits pantalons aussi qui vont avec. Comme ça ou comme ça. Donc je pense que je vais prendre les deux aussi. Là vous avez des petits ensembles comme ça, un peu sport. C'est vraiment pas mal pour la rentrée, pour accompagner les frères partout à l'école. Ça va être très très bien. Vous avez plusieurs couleurs. Alors la musique elle est hyper forte. Je suis désolée, j'espère que ça va pas me bloquer dans ma vidéo. Sinon je mettrai une voix off, mais bon c'est dommage. Je vais essayer quand même. Bon ceux-là ils sont à combien les ensembles? 10 € l'ensemble. Donc franchement c'est intéressant. Aussi des ensembles comme ça, mais ça paraît quand même super léger. Après il va pas faire non plus super froid à la rentrée, mais le matin je vous dis ça caille quoi. Enfin, je sais pas trop. Bon après il y a du choix quand même, ils ont mis plein de nouveautés par rapport à l'autre fois. Donc bah, on va regarder tout ça. De toute façon je vous fais le haul dès que j'arrive. Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul pour Inès. Un haul vraiment spécial bébé, spécial rentrée. Voilà, alors Inès elle rentre pas à l'école cette année, mais elle va m'accompagner partout le matin pour déposer les enfants, etc. Et il lui faut aussi à elle des petites tenues, voilà, pour le matin, je vous dis, quand il va faire frais. Là franchement j'ai regardé la météo, ça devrait être plutôt une rentrée douce. Voilà, il va pas faire trop froid. Mais les matins il fait quand même souvent froid et les bébés vu qu'ils sont dans les poussettes ils sont tout le temps immobiles et ils attrapent plus facilement froid. Donc du coup il fallait que j'y aille pour prendre des petits pulls et puis aussi parce qu'elle avait franchement plus rien dans sa taille. Donc j'ai fait une petite sélection, du coup je vous montre, il y avait plein de belles nouveautés par rapport à l'autre fois où j'y suis allée, il y avait vraiment pas mal de choix. Donc j'ai aussi repris des petits pyjamas, enfin je vais vous montrer, j'ai tout mis là, tout est en train de tomber, je vais y arriver. J'espère que rien ne va tomber. J'ai pris ce petit pyjama là comme ça. Alors il n'était pas cher du tout, il est à 4 €. Franchement pour les pyjamas je ne mets pas très cher parce que c'est pour dormir. Et donc là j'ai pris en taille 12 mois par contre au niveau des pyjamas. Mais tout le reste j'ai pris que du 18 mois parce que je sais pas, peut-être que ça taille petit. Mais ça lui va plus trop le 12 mois en pantalon par exemple, c'est trop serré. Ça va pas assez, enfin c'est pas assez long. Donc là j'ai pris 18 mois. Ce sera un petit peu grand mais c'est pas grave. Donc un petit jean comme ça, style legging, voilà. J'en ai pris deux parce que ça c'est vraiment parfait pour enfiler rapidement le matin. 5 € le petit pantalon jean comme ça. Donc le deuxième il est là, ça c'est fait. Ensuite j'ai pris un petit lot de body parce qu'ils ont l'air vraiment très mignons. Alors je vais ouvrir avec vous, franchement je sais pas trop. J'ai pris en taille 18 mois, c'est 9 € les 3, donc je trouve que c'est raisonnable. Je vous en montre un avec des petites cerises comme ça dessus, je le trouve vraiment très mignon. Donc voilà, en plus c'est des manches longues, c'est parfait. Voilà, je vous dis s'il fait froid le matin. Donc voilà, petit body comme ça, il y en a 3 dedans. Ensuite j'ai pris des petits ensembles pour la rentrée. Alors attendez, j'ai pris un petit haut comme ça. Donc c'est en mode sweat, voilà, donc mais c'est pas trop chaud, vous voyez, c'est pas non plus le gros pull d'hiver. C'est entre les deux, donc le petit sweat comme ça qui était à 8 € le sweat. Donc j'ai pris deux modèles de sweat. L'autre modèle de sweat, c'est le même que ça, voilà, même style, sauf que c'est un autre motif. Donc il est comme ça, violet avec des petites fleurs dessus. Donc vous voyez, on n'est pas non plus dans le mode trop automne-hiver, on est quand même encore un peu dans l'été. Le petit pantalon qui va aller donc avec le premier sweat que je vous ai montré. Le petit pantalon du coup pour aller avec. Et c'était un lot de 2 pour les pantalons, donc c'est parfait. En plus, c'est vraiment hyper élastique là, donc pour mettre avec la couche et tout, c'est impeccable. 9 € les 2, donc je trouve que c'est raisonnable. Et pour aller avec le violet que je vous ai montré là, il y a aussi le petit pantalon, donc vraiment parfait. Petit pantalon comme ça, ou bien petit pantalon comme ça. Donc vous pouvez varier les plaisirs, on va dire. Vous pouvez changer un petit peu au niveau de la tenue. Donc 9 € les 2, je mets ça n'importe comment. J'ai trouvé une tenue, j'ai trop craqué, c'est un ensemble. Ça c'est parfait, je pense que pour la rentrée elle mettra ça Inès. Voilà, le petit haut, mais la matière elle est tellement douce, oh, c'est incroyable, vraiment, je sais pas comment vous dire, en plus si ça se froisse pas ce style de matière, c'est parfait. Voilà, avec les petits volants là, les petits froufrous, c'est trop mignon, et le pantalon il est comme ça. Donc l'ensemble il était à 15 €, j'ai pris en 18 mois pour qu'elle puisse le porter plus que 2 fois, voilà. Donc parfait. Ensuite j'ai trouvé un petit ensemble sportswear, voilà,
pareil pour la rentrée. Donc le petit jogging comme ça, le bas, avec le petit sweat rose. Il y a une petite écriture dessus, je sais même pas c'est noté quoi. Nice day, voilà, comme ça. Et donc l'ensemble était à 10 euros, je crois. Ouais, 10 euros l'ensemble jogging, comme ça. Ensuite, j'ai trouvé un petit pull, comme ça. Pareil, il n'était pas très très cher, il y avait plein d'autres couleurs. 5 euros le petit pull. Donc il y a moyen de faire des ensembles pour pas très cher. Vous voyez, un petit pull comme ça à 5 euros et le petit legging à 5 euros. Il y a même des leggings moins chers, je vais vous montrer. Ça fait une petite tenue pour pas trop cher finalement. Un autre pyjama, comme ça. Voilà, donc 4 euros ces petits pyjamas là. Franchement, ils sont très très mignons. Après, il n'y a pas beaucoup de choix au niveau des couleurs, je trouve. Mais ils ont quand même une petite gamme de pyjamas à 4 euros, donc c'est intéressant. Deux petits leggings comme ça à 2 euros. Ça, c'est hyper pratique et efficace. Vous mettez ça avec n'importe quel petit pull, n'importe quel t-shirt. Et ça fait, voilà, ça fait une petite tenue sympa, voilà, pour sortir. J'ai trouvé, gros coup de cœur, ceci. Cette petite veste sans manches comme ça, mais toute douce, voilà, avec la petite fourrure dessus. À l'intérieur, c'est tout doux. Enfin, c'est pas tout doux, mais c'est tout lisse. Enfin, c'est sympa comme matière. Donc ça, par exemple, avec un petit pull, ça va être parfait. À moins qu'il fasse vraiment trop froid. Mais s'il fait pas trop froid, ça plus le pull, ça suffit quoi. Pas non plus qu'elle est trop chaud. Donc vraiment, c'est très très joli. Comme il y avait une autre couleur, il y avait du beige aussi. Je me suis tâtée, mais je me suis dit, enfin, ça grandit tellement vite que ça sera déjà bien. Et j'ai pris cette doudoune là. Donc ça sera pour un petit peu plus tard. J'ai pris du 18 mois. Voilà. Je vous dis, si vraiment il fait froid le matin, elle aura la petite doudoune. Parce qu'il y a des matins où vraiment il fait super froid. Donc je me suis dit, au cas où, et elle était pas très chère la petite doudoune. Elle était à 12 euros. Donc franchement, ça suffit. C'est très très bien. Donc voilà, je vous mets des petites images des vêtements portés par Inès. Alors quelques-uns, parce que Inès, voilà, elle aime pas trop non plus les essayages. Voilà, dès qu'il s'agit de passer la tête dans le. Je pense que c'est comme beaucoup de bébés. Elle aime pas trop ça, donc je vais vous montrer quelques tenues. Voilà. Parce que la vidéo, vous ne l'aurez pas du coup aujourd'hui, vous l'aurez dans 2 jours. Donc j'aurai le temps de lui essayer des petites choses. Voilà, pour pas l'embêter avec plusieurs essayages la même journée. Enfin, c'est pas. Voilà, le but, c'est pas de l'embêter. Donc je vais vous mettre des petites images juste après. Mais je suis plutôt contente de mes petites trouvailles. Il va y avoir une vidéo avec les grands, une vidéo challenge. Alors je sais pas si ça sera les 3 en même temps ou si je vais faire un par un, parce que sinon ça va être le carnage, voilà. Donc je vais voir si on fait les 3 ou un par un, et ils vont devoir choisir leur tenue et ils auront un budget à respecter. Donc je sais pas encore trop le budget, j'hésite entre 20 ou 25 euros leur tenue de rentrée, faut que ce soit quand même difficile. Donc voilà, ils auront un budget limité et ils devront choisir leur tenue pour la rentrée, donc le haut, le bas, les petites chaussettes, enfin voilà, ils devront tout acheter avec ça, sauf les chaussures qu'on a déjà. Mais voilà, donc je pense qu'on ira chez Kiabi pour faire ce challenge là, parce qu'ailleurs ça risque d'être hors budget. Donc on va voir, et je vous mettrai cette vidéo cette semaine ou l'autre, mais je vous mets ça rapidement. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse et je vous retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne.